Erdre et Patrick. Après la mort de mes deux enfants. Ce qui vous a fasciné le plus, Annick Isadora. Merci. Je ne trouve plus le courage de faire le monde. Je ne sais pas. Finalement, c'est cette histoire avec. En fait, Isadora a eu une vie tragique. C'est ça qui est terrible. Et en même temps, elle a eu une force de vie exceptionnelle. Et c'est cette force de vie qui l'a poussée à danser et à créer. Et j'ai pas non plus cherché à m'identifier vraiment avec Isadora. Je me laissais porter par les directions de Damien Manivelle. Mais c'est sûr que c'est peut-être plus la personne et son écriture aussi qui est vraiment très belle, l'écriture de cette autobiographie notamment, qui m'a inspirée. Je connais mal sa danse parce que finalement j'ai appris qu'à danser ce solo qui est court. Mais par contre, j'ai vraiment aimé le danser et j'ai aimé le travailler. Et quand je vois le film, malgré moi, je sais, j'ai tellement travaillé cette partie, enfin, ce solo, que je me remets dans les émotions que ce solo me procurait en le dansant. Et je pense que ça restera. Hacer cine es hacer vida.